Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va être la première du genre puisque je vous invite à rejoindre l'univers gaming à travers la chaîne. Alors attention, quand je dis gaming, je ne vous propose pas des jeux type les Sims, Minecraft, Fortnite et tout ça, non, ça va être des jeux qui seront sur la thématique de la chaîne, à savoir paranormal, voyance, divination, sorcellerie, horreur, etc. Je ne vous en dis pas plus, je vous ai sélectionné plusieurs jeux avec lesquels je proposerai de me suivre dans les aventures. À mon avis, vous allez bien vous marrer parce qu'il faut savoir que dans les jeux vidéo, je suis une grosse flippette. Mais vraiment, vraiment. Donc je pense que vous allez énormément rire avec moi. Moi je serai en bad trip, mais c'est pas grave, si c'est pour vous faire rire et vous apporter quelques instants de bonheur, ce sera avec plaisir de me ridiculiser. Alors pour ce premier jeu que je vous ai sélectionné, il s'agit de Mysterium, qui est un jeu de société que je vous avais montré, je vous en avais fait la review il y a quelques mois voire années puisque c'était au début de la chaîne. Mysterium, c'est donc un jeu de plateau à la base jusqu'à 7 joueurs. Et c'est sur le principe du Cluedo et du Dixit, c'est-à-dire que vous allez devoir retrouver des suspects avec des lieux et des armes qui ont servi pour faire le crime. Et l'ambiance du Dixit va prendre le pas puisque c'est un jeu coopératif, il va falloir échanger avec ses collègues, parce que le fantôme va vous délivrer des cartes vision qui vous permettront, en interprétant les signes et en essayant de les décodant, eh bien de vous emmener sur la piste qu'il veut vous faire comprendre. Voilà. Je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous allez donc incarner des médiums et vous êtes convoqués au manoir de Warwick afin de découvrir un crime atroce qui eut lieu puisque le propriétaire a été sauvagement assassiné. Et par conséquent, vous allez devoir essayer de rentrer en communication avec l'esprit du propriétaire afin de découvrir qui l'a tué, dans quel lieu, avec quelles armes et parfois vous pouvez avoir le pourquoi a-t-il été tué. On va passer tout de suite maintenant au jeu, je ne vous fais pas languir davantage. Alors sur le jeu que vous pouvez voir donc sur votre écran à l'heure actuelle, donc vous pouvez jouer, moi là je joue sur la plateforme Steam, sachant qu'il est aussi disponible sur le Play Store, donc si vous voulez jouer sur votre téléphone, vous pouvez très bien. Et vous allez avoir deux types de campagnes qui vont se proposer à vous, vous allez avoir soit le mode histoire, ici, avec donc une campagne solo que vous allez faire tout seul, et puis vous allez avoir aussi une campagne ici où vous pouvez jouer en ligne. Donc vous pouvez jouer avec des personnes du monde entier que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez aussi jouer avec vos amis s'ils possèdent le jeu, hein, il vous suffit de créer une partie et du coup il va falloir se répartir les rôles puisqu'il y en a un qui interprétera le rôle du fantôme et l'autre qui interprétera le rôle du médium et vice versa, et vous pouvez mixer etc. Et c'est vraiment un très bon jeu d'ambiance dans l'univers Spirit que je vous recommande fortement, hein. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur quand il est sorti en 2017, 2021 on y joue toujours encore et on prend toujours autant de plaisir à y jouer. Il y a même un autre qui est sorti, c'est Mysterium Park, qui lui se situe non plus dans un manoir hanté mais dans une espèce de fête foraine un peu glauque version clown Annabelle, vous voyez, dans cet univers là. Et vraiment Mysterium, c'est un gros coup de cœur que j'espère vous faire partager avec plaisir. Donc nous, ce qu'on va faire, on va jouer au mode histoire bien entendu. Alors bien évidemment, moi j'ai joué avec mon profil, le jeu je le connais mais je vous cache pas que ça fait longtemps que j'y ai pas joué sur l'application, donc je me souviens plus, je vais vraiment redécouvrir ça avec vous. Visiblement je m'étais arrêté ici à ce chapitre là. Je me suis pas arrêté bien loin puisque c'est le troisième chapitre. Donc ce qu'on va faire, on va repasser par le premier cas, si on peut y rejouer. Oui, on peut y rejouer. Alors... Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, n'importe quoi. Regardez, moi je me suis mis super à l'aise là avec mon peignoir et tout, mon petit coussin dans le dos. Je suis super bien là, pour jouer, ça va être un vrai bonheur. Alors on y va. Écosse, une nuit froide de septembre 1921. La police venait de découvrir un nouveau cadavre dans un village du comté de Warwick, le dernier d'une série qui ne cessait de s'allonger. Malgré les mesures prises par les autorités, la terreur des habitants grandissait. Les corps s'empilaient au fil des semaines et la police continuait de piétiner. La capture d'un ramoneur pris en flagrant délit sur la scène de crime n'y changea rien. Il clamait n'avoir aucun souvenir de l'assassinat qu'il venait de commettre. Il fut inculpé pour l'ensemble des meurtres et jeté en prison. Le village soulagé pensait pouvoir dormir tranquille. Pourtant, les meurtres continuèrent. Quelques semaines plus tard, une serveuse fut appréhendée pour avoir poignardé un jeune journaliste local avec un couteau de boucher. Charmant. Il survécut de justesse et la serveuse fut emprisonnée. Comme le ramoneur, elle prétendit ne se souvenir de rien. Après leur avoir rendu visite, le prêtre de la paroisse conclut qu'ils avaient été possédés par des esprits malins. C'est alors que Conrad McDowell, un éminent médium originaire de la région, vient s'installer dans le manoir local dont il venait d'hériter. Frappé d'horreur face aux récents événements, il décida de mener sa propre enquête, convaincu que le surnaturel était la clé du mystère. Surpassé par la complexité de l'affaire, il fit appel à ses confrères médiums Alphonse de Bellecourt, Alma Salvador, Madame Wang, Ardashir et Jessaline Smith pour l'aider. Comme le voyage leur prendrait plusieurs semaines, Conrad décida d'aller rendre visite au journaliste rescapé. Nathan Crowley prétendait entendre la voix des morts depuis son agression. Il avait été donc placé en hôpital psychiatrique. Conrad demeurait le seul à croire le jeune Irlandais et usa de son influence pour le faire sortir de l'institution. Il avait décelé en Nathan des talents de médium et voulait le prendre sous son aile pour mener l'enquête sur cette inquiétante série de meurtres. Alors, Monsieur Conrad nous dit « Bien, je sais que vous débutez, mais vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas, suivez vos tripes. N'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver. » Nathan: « Ce n'est pas que je suis effrayé, monsieur. Peu de choses pourraient me faire peur après mon séjour à l'asile. Je suis content de savoir que je ne suis pas fou, mais je n'arrive toujours pas à saisir comment ça marche. » Voyons voir, nous allons tenter d'entrer en contact avec le fantôme du défunt Monsieur Rimmer. Nous verrons où tout cela nous mène, rien de bien spécial somme toute. Nous avons reçu une vision. Alors, résolvons cette affaire, notre but est d'aider le fantôme à trouver son assassin en identifiant le bon personnage, le bon lieu et le bon objet. Donc vous voyez ce que je vous disais, on est sur le principe du Cluedo. Ceci est votre icône, donc nous sommes là, ok. Le fantôme vous enverra des cartes vision pour vous donner de vagues indices sur l'identité du coupable. Appuyez sur la miniature de la carte vision pour la voir en plus grand sur la gauche, donc ici. Donc là, voyez, ce sont... Ah, attendez, on va continuer. Voici la liste des personnages. Appuyez sur le personnage pour voir sa carte en plus grand. Remarquez que chaque médium a son propre suspect. La mémoire du fantôme lui faisant défaut, vous devrez d'abord l'aider à réduire la liste des suspects. Cette carte vision montre une lame. Peut-être que le fantôme fait allusion à un couteau ou un rasoir. Trouvez un personnage en lien avec cette image. Quand vous avez fait votre choix, appuyez sur le bouton choisir en dessous du personnage. Oui, on s'en fiche tout ça. Donc, je vais vous expliquer à ma sauce à moi. Sur la droite, on va avoir les cartes vision que le fantôme nous envoie. Donc là, vous voyez par exemple sur cette première carte, je vais me dépêcher parce que je vois que le temps est chronométré. Sur cette première carte, on voit qu'on a une espèce de cratère, on a des épées, on a des silhouettes, on a un oiseau. Et ici, on a quelque chose qui pourrait faire penser à un pied, mais c'est aussi une aile. Et puis là, on voit des empreintes. Sur la deuxième carte vision, on a des outils, on a une scie, on a une faux, on a un fouet qui sont posés sur une espèce de palissade en bois. Sur ces deux cartes vision, il y a un indice commun, c'est-à-dire quelque chose qui est commun aux deux cartes, et du coup qui va nous fournir l'indice pour nous diriger vers un personnage. Donc là on va avoir par exemple le magicien. Donc le magicien, on voit qu'on a des cartes, une paire de gants, une baguette, sa photo de profil, un tissu rouge. Bon, très concrètement là on n'a vraiment pas grand chose en termes d'outils qui tranchent. Ici, on a Valak avec son chapelet, on voit une bague, certainement ici une Bible, des photos, bref, pareil, on n'a pas grand-chose de tranchant non plus. Ici, nous avons une maîtresse d'école avec règles, compas, équerre, un encrier et des plumes. Alors, les plumes, elles ont une pointe piquante, ça pourrait faire penser à la faux, mais c'est pas vraiment tranchant. Et là, par contre, on a un barbier qui, lui, nous intéresse, puisque, regardez, on voit ici une lame de rasoir, on voit des ciseaux, un blaireau, de la crème de rasage, sa photo. Et fait exprès, ici, on a des épées qui ressemblent un peu à des couteaux, à des lames, hein, et on a des outils tranchants. Donc, on peut présumer que, effectivement, les visions correspondent ici au barbier. Et on va choisir. Bon, ça, on s'en fiche. Les choix ont été faits, êtes-vous prêts? Oui. Voilà les résultats des déductions des médiums. Très bien, donc nous avons réussi la première épreuve et notre collègue Conrad, lui, n'a pas réussi, n'a pas trouvé le suspect qui lui a été attribué. Puisque dans Mysterium, chaque joueur va avoir un suspect qui lui est attribué, un lieu et une arme. Et c'est ensuite lors de la résolution finale qu'il faudra déterminer vraiment de tous les suspects qui est la bonne solution, qui est le meurtrier. Bien deviné, cher ami. Maintenant, devinez le lieu où le meurtre a été commis. Vous avez reçu une vision. Bien. Oui, donc ça, c'est ce que j'ai fait avec la loupe. Voilà. Je suis désolé, c'est le tutoriel, donc il nous explique un petit peu le blabla. Donc on va regarder les différents lieux qu'on a. Tout premier lieu, on voit qu'on a une cuisine avec des casseroles ici qui pendent, on a une espèce de cage, on a une autre casserole ici avec quelque chose qui bout, des couteaux, bref, une cuisine, quoi. Deuxième, on a une espèce de salon boudoir avec des tableaux d'animaux. On voit ici une statue en forme de lion, on a un phonographe, enfin un gramophone, excusez-moi, un porte-chapeau, un petit tabouret, une lampe. Ici, on a un atelier avec des outils. Alors, vous voyez, par exemple, la carte de tout à l'heure avec les outils, ça aurait pu nous indiquer ce lieu, par exemple. Donc là, on a une petite voiture. Bref, voilà, on a un atelier, tout ce qui est plus classique. Et là, on a une crypte avec donc une statue. On a une espèce de grimoire qui semble être un livre des ombres, des bougies. Bref, c'est très ésotérique l'ambiance qu'il y a ici. Et la carte vision que le fantôme nous a envoyée, c'est celle-ci, où on est apparemment... dans une espèce de crypte. Regardez ici, on a des statues, des gargouilles. Là, on a une espèce de d'une autre statue aussi. Là, on peut voir des espèces de flambeaux qui pourraient faire penser aux chandelles, hein. La statue, là, en plus, elle a des ailes. Ça pourrait nous faire penser ici à cette statue-là. Regardez un peu les couleurs qu'il y a sur la carte. Ça pourrait nous faire penser au bleu qu'il y a ici. Moi, j'ai bien envie de partir sur la crypte, pour le coup. Hein, on va partir sur la crypte. Allez, on va choisir la crypte. Oui. Mais pourquoi? C'était pas ça. Le jeu se moquerait-il de nous? Parce que c'est... je sais pas, ça me semblait logique, non? La statue, la crypte, les flambeaux qui faisaient penser aux bougies. Bon, vraisemblablement, la logique du jeu n'est pas la même que la mienne, sachant que moi, j'ai la bonne logique, du coup, c'est le jeu qui va pas. Forcément, c'est pas moi le problème, hein. Alors, bon, on va réanalyser. Alors, les nouvelles cartes vision qu'on a eues, de la part du fantôme, on a... Ah, on a des animaux, attendez. Ah ah, regardez ici. Regardez ici, on a... Et fait exprès, en plus, on a un éléphant. Donc ça tombe très bien, on a un éléphant ici, enfin deux éléphants sur le tableau, un rhinocéros et on a, on dirait bien la queue d'une baleine. Et fait exprès, on a une baleine aussi. On va regarder l'autre carte vision. Ouais, l'autre carte vision fait vraiment penser à une boîte à musique. Et fait exprès ici, on a un gramophone. Donc là pour le coup, alors attendez, on va revenir sur cette première carte. Pourquoi m'avoir donné cette carte? Qu'est-ce qu'il fallait voir dessus? Ah, c'est ça, regardez. C'est la statue en forme de lion. Oui, qui ressemble un peu à la gargouille. Enfin, ceci dit, c'est vraiment tiré par les cheveux quand même. C'est un détail sur la carte, hein. Ouais, ouais, bon, allez. On va le tolérer. Ok, allez. On choisit du coup le boudoir. Puisque normalement, c'est ce qui semblerait... Voilà, c'est bon, on a gagné. Allez, alors là, vous voyez les heures qui tournent. En fait, chaque heure correspond à une manche. Hein, la vidéo ne va pas durer 6 heures, rassurez-vous. Non, c'est juste qu'une heure correspond à un tour complet de table, à une manche complète. Très bien, devinez maintenant. Devinez l'objet dont s'est servi le meurtrier. Vous avez reçu une vision. Bien, on va analysons d'abord les premières. Donc, on a ici un fer à repasser. On a un haltère, on a une mallette de médecin avec une piqûre hypodermique, enfin une seringue hypodermique, et nous avons une lame de rasoir. Barbier, lame de rasoir. Alors je précise que normalement les lieux, les armes sont tout mélangés et sont mis au hasard, hein, de façon aléatoire. Mais là, faites exprès, la lame de rasoir pour le barbier, ça pourrait bien coller. Et ça pourrait être ça, parce que regardez la carte vision qu'on a eue. Donc on voit une espèce de long couloir, dont un homme qui visiblement a volé quelque chose et s'enfuit. Regardez, on a les tableaux qui sont devenus vivants. On a des chiens qui sortent de ce tableau. Celui-ci, on a une femme qui tire carrément avec un pistolet. C'est les tableaux qu'il y a dans Poudlard. Et ici, on a une statue avec une épée. Ici, on a une cascade avec un bateau en papier. Et là, eh ben, écoutez, le seul indice qui pourrait parler par rapport aux armes, là, ça serait la statue avec l'épée. Donc on serait sur quelque chose de tranchant, quelque chose en métal et quelque chose qui tranche. Donc du coup la lame de rasoir, ça passe plutôt bien. Oui, nous validons notre choix. Et c'était bien ça. Évidemment que c'était ça. Évidemment que c'était ça, enfin. Allez, maintenant on passe à la résolution finale cette fois-ci, où donc là, dans cette partie, sur le jeu de plateau, vous n'avez plus le droit de communiquer avec vos collègues, vous devez vraiment réfléchir vous-même et vous n'avez plus le droit de vous concerter. Et pour cela, le fantôme va vous envoyer une vision commune à toute l'équipe et il va falloir trouver en fait tout simplement la bonne solution. C'est-à-dire que là, en suspect, on a le barbier dans le petit salon boudoir avec la lame de rasoir ou le magicien dans la crypte avec la seringue hypodermique. Voilà, ça ce sont les deux combinaisons qui nous sont suggérées. Donc le fantôme va nous envoyer des visions pour essayer de nous diriger vers la combinaison, la vraie, hein. Celle qui correspondra donc au meurtrier. Alors, on s'en fout. Donc voilà les cartes vision que nous avons eues. On peut voir sur la première une tour avec une madame, une princesse qui semble attendre bêtement que son prince arrive. Ici on peut voir une espèce de corde faite avec des draps. Là on voit un chevalier qui a pas l'air super sympa quand même, hein. À mon avis, je pense que lui c'est le méchant de l'histoire. Mais il a un truc qui nous intéresse. Il a une épée dans les mains, donc il a quelque chose de tranchant. Et par conséquent, ici, eh ben, on a des choses qui tranchent, on a des choses qui coupent. Pour la deuxième carte, on a... Ah ah, j'avais pas vu. Je cherchais quel indice pourrait... Regardez ici, on a un lion. On a un lion à côté de la madame et ça tombe bien parce que ici, fait exprès, sur le meuble, rappelez-vous, on a un lion, on a des animaux là, dans les cadres et la statue d'un lion. Donc du coup, ça pourrait potentiellement être ça. En plus, la longue vue, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais la longue vue pourrait ressembler un peu au gramophone. Je dis bien un peu. Et pour la troisième carte, on a encore des trucs qui tranchent. On a encore des trucs qui tranchent, parce que regardez, il y a des halbardes ici. On a une corde, mais il n'y a rien qui fait penser à des cordes sur les deux propositions. Là, on a des yeux qui nous invitent pas à aller plus loin. On a des plots de signalisation. Bon, je pense ici que l'indice principal, c'est la hallebarde, pour nous faire comprendre ici les choses qui coupent. Et je pense qu'on serait sur cette solution-là, puisqu'on a la hallebarde, le lion pour cette carte-là, Peut-être ici l'homme aussi, mais moi je vois plus l'épée là pour les lames de rasoir principalement. Les autres cartes ne, pour moi ne correspondent pas à l'autre solution. Allez, on y va. Les orbes de couleur représentent le vote des médiums. Et ben Conrad, il a voté comme moi aussi, il a voté pour le barbier. Donc on est d'accord tous les deux. Révélation du coupable. Gagné. En même temps, c'était un peu facile quand même, parce que c'est le tutoriel, donc forcément, il nous met des choses qui sont un petit peu faciles. Alors, appuyez sur le bouton finir l'enquête pour retourner à l'écran de sélection de mission. Hop, finir l'enquête. Bien. La nuit fut des plus troublantes avec Monsieur McDowell. Nous avons établi un lien avec l'esprit. Je pense qu'il y a une faute là. Avec l'esprit du défunt de Monsieur Rimmer, le meurtre de ce noble local restait insoluble pour la police. Mais nous avons découvert le coupable grâce au fantôme. Il s'agit du barbier du village, Monsieur Boyd. Comme les autres, il n'a aucun souvenir de la nuit du crime. Nous pourrions peut-être lever le voile sur ce mystère en interrogeant les esprits d'autres victimes. Alors, on y va. Faisons l'autre dossier. Aujourd'hui, Monsieur McDowell et moi sommes allés chercher Monsieur Alphonse de Bellecourt à la gare. Les deux hommes sont amis de longue date et son aide nous sera précieuse pour démêler notre affaire. Monsieur de Bellecourt est un fameux numérologue et aristocrate français dont la renommée a largement dépassé les frontières. La mort de son frère pendant la Grande Guerre le bouleversa au plus haut point et il se plongea dans l'étude des mathématiques. Il découvrit que les nombres ont des propriétés étonnantes pour ceux qui savent les déchiffrer. Ses capacités et sa prestance sont impressionnantes. J'ai hâte de voir sa maîtrise des nombres à l'œuvre lors de notre prochaine séance de spiritisme. Alors Alphonse, Conrad soutient que vous êtes un médium prometteur. Ce soir, nous allons continuer votre entraînement. Oui, je parle comme ça parce que vous avez vu qu'il avait l'air comme ça, très, très pincé. C'est un grand honneur pour moi de travailler avec vous deux. Ravi de voir que vous avez conscience de votre chance. Trêve de bavardage, commençons. Vous avez vu le roleplay quand même que je mets hein. Quand même. Non mais j'aimerais que ce soit souligné quand même, que je fais des efforts pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, cette enquête est plutôt difficile. Pour aider le fantôme, vous devez obtenir des points de clairvoyance. Plus vous aurez de points de clairvoyance, plus vous verrez de visions lors de la phase finale de l'enquête. Vous obtiendrez plus de points de clairvoyance en finissant l'enquête. Oui, oui, alors là, on va passer au moment où il faut voter. Vous verrez dans Mysterium, effectivement, vous pouvez voter pour le choix des personnages. C'est-à-dire que si vos collègues se positionnent sur tel personnage que vous êtes d'accord, vous pouvez mettre un petit jeton pour montrer que vous êtes d'accord avec son choix. Si par contre, vous n'êtes pas d'accord, si par exemple, je sais pas... votre collègue a eu une carte où il y avait un chandelier dessus et puis que lui il a choisi comme arme du crime un revolver alors qu'il y avait une bougie, vous allez notifier que vous n'êtes pas d'accord avec son choix. Pour vous, le fait d'avoir eu une vision d'un chandelier, ça paraît logique que ce soit une bougie. Et tous ces points-là, si vous tombez juste, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, si vous tombez juste, vous allez marquer des points de clairvoyance qui à la fin vont être très importants puisque ça va pouvoir déterminer le nombre de cartes vision que le fantôme donnera à la fin. Je sais, vous n'avez rien compris, vous comprendrez un peu plus tard. Ok, oui, alors on va voter, d'accord, on va voter, faites glisser un jeton sur l'icône du médium, blablabla, on s'en fout. Ok, alors, notre ami Alphonse, qu'est-ce qu'il a choisi ? Il a eu comme carte vision ça. Donc on voit ici des ailerons de requin, des traces de pas. On a une cloche. On a une cloche, on a une fenêtre qui donne sur un champ, on a des petites fleurs. Et puis on n'a pas grand chose d'autre. Et lui du coup il a voté pour le musicien. On peut voir qu'ici il y a un diapason, il est d'origine écossaise, il y a une cornemuse. Bon, je suppose qu'il a voté pour le musicien par rapport à la cloche. Effectivement, ça semble assez logique, on va dire. Donc, on va dire qu'on est plutôt d'accord. Notre ami Conrad, lui... Ah bah, on a eu la carte tout à l'heure. Il a dû voir les hallebardes. Et pareil, il a pensé à un truc qui coupait, qui tranchait. On est plutôt d'accord aussi. Donc, on va voter OK. Quant à nous... Nous avons ça comme carte vision... Donc si on part du principe que nos collègues ont juste, à savoir que Conrad a le suspect du barbier et que Alphonse a le suspect du musicien, il nous reste soit la couturière, le sculpteur de pierre ou l'horlogère. Ouais, on n'a rien d'autre. Ok. Comme carte vision, on a eu ça. Donc on peut voir des usines, une espèce de machine qui fait très steampunk. Il y a beaucoup de métal, on voit des boîtes de conserve ici. Donc c'est un univers très industriel, très métallique. En plus, je viens de vous dire steampunk, c'est peut-être pas anodin parce que ici, regardez l'horlogère, fait exprès, elle a des engrenages, elle a du métal. Les usines, ça fait penser au travail, aux choses qui sont rythmées, au temps, hein, la cadence. Donc effectivement, du coup, cette carte pourrait symboliser l'horlogère. Et l'autre carte, faite exprès, regardez, on a une femme. On a une femme sur la carte. Une femme qui a fait ses bagages et qui semble partir, comme si c'était l'heure. C'était l'heure de partir, c'était l'heure d'y aller. Donc je pense qu'effectivement on pourrait nous choisir l'horlogère qui paraît assez judicieux puisque la couturière, bah, effectivement c'est une femme aussi, donc on peut éliminer le sculpteur. La couturière, oui, on a du métal par rapport à son dé à coudre et ses aiguilles, mais quand même l'horlogère me semble plus logique. Allez, on valide. Bien sûr que c'était ça, évidemment que c'était ça. Bon, je fais le mariole pour le moment, mais ça va se corser après, hein. Les premières enquêtes sont toujours plus faciles, évidemment. Bien deviné, plus vous gagnez de points de clairvoyance, plus vous verrez de vision durant la phase finale de jeu. Tous les jetons de clairvoyance sont à nouveau disponibles au 4e tour. Bien, nous avons reçu une vision. Allons-y. Alors, on va d'abord choisir nous et on votera après, hein, parce que c'est moins important quand même de voter. Enfin, si, c'est important, mais c'est moins important de voter quand même que de choisir son personnage avant tout. Bien. Alors, on va regarder un petit peu les lieux qu'on a, parce que du coup, comme on a trouvé notre suspect, maintenant, on passe à l'étape suivante, qui est de trouver le lieu qui nous est rattaché. Enfin, qui est rattaché à notre suspect. Donc, en termes de lieu, on a la piscine. On peut y voir un parasol. Un parasol, ok. Ici, on a une réserve de nourriture. Là, on a une cave. Avec des alambics, des tonneaux. Là, on a une espèce de bureau. Avec une cheminée. Un espadon. Et là, on a la cabane au fond du jardin. Ok. Ok, alors nous on a comme carte vision ça, où on peut voir une espèce de calèche avec un cheval fantôme. Il y a de l'eau, déjà il y a de l'eau. Il y a une canne à pêche. Ok. Et pour l'autre, on a de l'eau aussi. On a de l'eau aussi. Donc qui dit eau dit piscine. C'est le seul endroit où il y a de la flotte, concrètement. Donc, attendez, attendez, on n'a pas voté. On n'a pas voté. Alors, notre ami Conrad, il a choisi quoi, lui? Il a choisi ça. J'en sais rien. J'en sais rien, attendez. Non, je suis pas d'accord avec toi. Alphonse, il a choisi quoi? Ça. J'en sais rien, je suis pas d'accord non plus. J'ai pas eu le temps de voter. J'ai pas eu le temps de voter. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave parce que du coup, ça me fait perdre un point. Bon, c'est pas grave, nous on s'en fout. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on a gagné, on a réussi. Donc, hein, voilà, les autres, on s'en fout complètement. Comment? Je vous ai dit que c'était coopératif? Ah oui, coopératif, c'est le principe de gagner tous ensemble. Ah oui, non, bah du coup, on s'en fout pas alors. Bon, donc comme on a trouvé le suspect et on a trouvé l'endroit, maintenant il faut qu'on trouve l'arme du crime. Effectivement, tuer avec une fourchette quand même. Alors je n'invite pas au meurtre, mais je serais quand même curieux de voir comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec une fourchette. Je sais pas, tu le transformes en passoire, le mec, je sais pas comment que ça se passe avec une fourchette. Sauf si c'est vraiment une grosse fourchette. Oh merde. Moi je parle, il y a le temps qui défile. Bon alors attendez. Bon alors écoutez, regardez la carte vision qu'on a eue. Pour le coup je pense qu'on va pas aller plus loin, hein, parce qu'on a un chapeau, on a un cafard. Mais surtout ici on a des couverts et on a une fourchette. Donc on va rester là. Surtout que les autres c'est un fer à repasser. Non. Un haltère non plus, une corde non plus, et une poêle non plus, à moins que la poêle il s'en serve pour mettre sur la tête pour en faire un chapeau, ce que je trouve quand même peu probable, donc je pense qu'on va rester sur la fourchette. Alors attendez, on va voter parce que du coup on n'a pas eu le temps tout à l'heure. Lui il a eu ça comme nouvelle carte. Ah ouais mais j'ai plus de points pour dire que je suis d'accord. Ah bah tant pis. Conrad il a eu quoi? Ouais il a eu un bocal. Il y a des alambics ici. Ah bah je peux pas dire que je suis d'accord. J'ai plus rien non plus. Bon ah bah tant pis, on va pas voter. Et puis voilà. Et voilà, nous finissons premier chers amis. Voilà voilà. C'est ça la classe. Ah, moi je peux voter de nouveau. Très bien. Ça c'est bien. Alors attendez, non, mes choix n'ont pas été faits puisque j'ai pas voté, donc laisse-moi voter. Donc lui il a eu comme carte indice. Ouais, des vêtements. Des vêtements pour le faire repasser, ça me semble plutôt logique. Donc ok pour Conrad. Et Alphonse, ouais Alphonse, bah oui, regardez ici on a les montgolfières avec des cordes. Effectivement, il y a la corde ici, donc je suis d'accord aussi. Voilà. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la résolution finale. Donc, comme pour la première épreuve de tout à l'heure, hein, le premier cas, on a exactement pareil. Confrontation des suspects. Sauf que cette fois-ci, comme nous sommes 3 joueurs, on va avoir 3 propositions. Et oui, tout à l'heure, on était 2 joueurs. Donc, il y avait 2 propositions, puisqu'il y a une proposition pour chaque joueur. Donc plus vous êtes de joueurs, plus il y a de propositions. Imaginez si vous êtes 7, ça veut dire qu'il y en a un qui joue le fantôme et qu'il y a 6 médiums. Et bien ça veut dire qu'à la fin, sur la table de la résolution, vous aurez 6 propositions, 6 suspects. Donc du coup, plus vous êtes nombreux, plus c'est facile d'un côté, mais plus ça complexifie aussi le jeu. Alors, donc la vision. Alors pour les suspects, nous avons... soit le musicien dans la cabane au fond du jardin avec la corde, soit le barbier avec, dans la cave avec le fer à repasser. Là aussi pour tuer quand même un coup de fer à repasser. J'aimerais voir la scène. Enfin non, j'aimerais pas voir la scène, mais ça doit être une boucherie le truc. D'ailleurs, question, le fer à repasser, chaud ou froid? Ah bah ouais. Ah ben mais ça change tout, parce que du coup, en même temps que vous assommez, vous cautérisez la plaie, s'il est chaud. Ah ouais, ça change tout. Et si c'est froid, du coup, ça peut vite faire hémorragie, ah, c'est trop sale. Non, je pense que la réponse est le faire chaud, c'est mieux. Parce que du coup, ça cautérise les plaies. Je pense que c'est mieux. À essayer. Essayez sur un ami, votre mari, n'importe quoi, puis vous m'envoyez les photos pour voir si du coup, chaud ou froid, c'est mieux. Surtout, vous ne le faites pas, c'est une blague, hein, qu'on soit d'accord, hein. Vous ne tuez personne. Bon, on rigole, mais en attendant, ça avance pas bien vite l'enquête. Bon, donc on disait, heureusement, la résolution finale n'est pas chronométrée, parce que je pense que ce serait déjà fini, là. Donc nous, la carte qu'on a eue, la première, on a des espèces de... je sais pas trop ce que c'est, des cailloux, des bombes... Bon, on sait pas, mais c'est une espèce de rivière. Ça flotte en tout cas, il y a des trucs qui flottent. Mais ce qui nous intéresse, et on a la corde là, ce qui nous intéresse c'est ça, regardez, il y a des cordes ici. Partout il y a des cordes. Donc ça pourrait potentiellement être la corde. Donc du coup, si c'est la corde, forcément c'est cette proposition là. Qu'est-ce qu'on a sur l'autre carte? On a des ballons, on a des cordes encore ici. On a encore des cordes. On a un monsieur, une espèce de ramoneur sur son vélo qui vole. C'est Mary Poppins le truc. Pardon. Mais ce qui est important, c'est que le ramoneur, c'est un monsieur. Et il a l'air d'avoir une moustache, ce monsieur. Et alors, là, on a une moustache, mais c'est une madame. Donc ça ne marche pas. Là, on a un monsieur, mais pas de moustache, donc ça ne marche pas. Et là, par contre, on a et un monsieur et une moustache, donc ça pourrait potentiellement être lui. Et pour la troisième carte, on a... Alors, on a des vélos ici. C'est vrai que les roues des vélos pourraient faire penser aux engrenages de l'horlogère. Mais ça irait pas du coup avec les autres cartes en fait. Et par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a une maison. Et là, on a la cabane au fond du jardin. Donc du coup, hein, moi je pense qu'on est sur cette résolution-ci. Allez, on choisit, on y va. Et révélation du coupable. Victory. Ta 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 ta. Très bien, finir l'enquête. Alors, moi qui croyais que Monsieur de Bellecourt était un homme froid et hautain, quelle erreur! Il est d'une concentration sans faille et d'une intelligence remarquable. Grâce à ses dons de médium, nous sommes venus à bout de cette affaire. C'est Monsieur Meilin, le joueur de cornemuse, qui a assassiné ce pauvre promeneur dans les bois à côté du village. Je n'arrive toujours pas à croire que de telles choses arrivent ici. En combinant nos efforts, nous avons au moins permis à l'âme de la victime de trouver le repos. Quitter. Et je vous propose un dernier dossier que du coup je n'ai pas classé, donc ça va être l'occasion peut-être de le classer avec vous, je l'espère, parce que du coup si je ne l'avais pas fait, c'est que peut-être que je m'étais planté ou que l'affaire était difficile, et que je m'étais planté aussi. On va découvrir ça. Allez, meurs une autre fois, donc... Madame Alma Salvador est arrivée d'Espagne aujourd'hui. Quelle femme intéressante! Elle m'a raconté son histoire. Orpheline, elle a été élevée dans un couvent. Ses dons de médium se sont manifestés dès l'âge de 8 ans lorsqu'elle a trouvé un pendule oublié par un visiteur. Elle localisait les familles des autres enfants jusqu'à ce qu'elle soit démasquée par les bonnes sœurs et mise à la porte pour sorcellerie. Elle est capable de trouver l'âme de n'importe quel être humain. Elle m'a dit quelque chose d'étrange. Mon âme semble différente des autres. Un pouvoir mystérieux semble émaner de moi. Elle doit m'en dire plus lors de notre prochaine séance de spiritisme. Conrad, l'affaire de ce soir est compliquée. J'ai tenté d'établir un contact avec le fantôme, mais l'esprit de la victime, un marin venant de Finlande, est trop faible. Nous avons besoin de quelqu'un pouvant renforcer la connexion avec l'esprit, mais personne parmi nous n'a un tel talent. Vous avez tort, mon cher Conrad. Je sens que Nathan a une connexion très forte avec l'au-delà. Je suis désolé, mon accent est complètement pourri. Donc on va arrêter la catastrophe. Il a frôlé la mort, je suppose que cela l'a affecté depuis que je suis arrivé. Je sens une étrange aura flotter autour de lui. Attendez, de quoi parlez-vous? Ai-je mal compris? Vous voulez que le fantôme de ce marin prenne possession de mon esprit? Personne ne peut vous forcer, Nathan. Mais si nous voulons trouver le coupable, nous n'avons pas vraiment le choix. Madame Salvador, est-ce vrai? Malheureusement, oui, mon cher Nathan. Je vois. Je vais le faire. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Quand vous vous réveillerez, vous serez de l'autre côté. N'ayez pas peur, mon garçon. Je vous guiderai. Vous nous entendrez parler, mais vous ne pourrez pas communiquer avec nous. Le monde des morts est un monde de silence, après tout. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, dans Mysterium, vous pouvez soit choisir d'incarner les médiums, soit vous pouvez incarner le rôle du fantôme. Et croyez bien que le rôle du fantôme est un rôle qui est très difficile, puisque les cartes vision que l'on reçoit depuis tout à l'heure, c'est justement le fantôme qui nous les envoie. Ce qui veut dire que c'est lui qui choisit ce qui semble être le plus logique ou être le plus en phase pour essayer de nous faire deviner les personnages, les lieux et les armes. Et croyez-moi que c'est difficile le rôle de fantôme, puisqu'en plus c'est un peu lui aussi qui va tenir le rôle de maître du jeu. On y va, donc on joue le fantôme. Les flammes rouges indiquent le personnage que le médium doit deviner. Voici les cartes vision que nous avons. Essayez de décrire le suspect avec les cartes vision. Faites glisser les visions correspondantes sur la carte du personnage. Ok, donc là par exemple le jeu nous propose de donner la carte du canon pour faire deviner le policier. Ça semble assez logique, le canon, une arme à feu. Ça semble assez logique. Ok. Donc envoyez les visions au médium en appuyant sur le bouton confirmation. Notez que vous avez reçu de nouvelles cartes vision pour remplacer celles que vous avez envoyées au médium. Logique, dans la main du fantôme, il y a 7 cartes. Vous êtes libre de pouvoir en donner autant que vous voulez. C'est-à-dire que le fantôme, il peut très bien donner une, 2, 3 ou toutes ses cartes à un seul joueur. Par contre, il doit à chaque fois avoir 7 cartes dans sa main. Donc du coup, il va repiocher jusqu'à avoir 7 cartes au total. Notre ami Alphonse, il a eu le pâtissier. Vous sentez mon désarroi parce que j'ai pas grand chose qui correspond au pâtissier. Alors attendez, madame, c'est quoi, Esmeralda, Alma, je sais plus, on va l'appeler Esmeralda. Elle a eu le médecin. Je sens que ça va être chaud l'artichaut, parce que pour le médecin, comment vous dire que pour le médecin, il n'y a rien qui me plaît. En fait, pour les deux, il n'y a rien qui me plaît. On n'a pas de cartes qui vont être... On pourrait choisir à la rigueur celle-ci. Parce que regardez sur la carte du médecin, on voit qu'il y a une pince, il y a une seringue hypodermique. Là, ça doit être une espèce de lampe ou un marteau, vous savez, pour tester les réflexes. Comme il y a quand même beaucoup d'outils métalliques, on a le stéthoscope aussi. Donc pourquoi pas, là, on a quand même beaucoup d'objets en métal, des clés, des rouages, tout ça. Donc ça pourrait coller. Ça pourrait coller, on va valider. Parce que les autres cartes, honnêtement, elles me parlent pas du tout. Elle me parle pas. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle carte de remplacement? Ah, ça aurait été intéressant pour le policier avec la cible. Ça aurait pu être intéressant. On va peut-être se la garder celle-ci, parce que n'oubliez pas qu'à la fin il y a la résolution finale. Et si jamais c'est le policier qu'il faut qu'on fasse deviner, on sera peut-être bien content d'avoir la cible. Donc hein, il faut essayer de vous projeter quand vous êtes le rôle du fantôme. Essayez de garder des cartes qui vous semblent être judicieuses, ne pas tout donner. Donc par contre, pour le pâtissier, je vois pas du tout ce qu'on va pouvoir donner. À la rigueur, celle-ci. Celle-ci, parce que ça pourrait faire penser à des espèces de brioches, des choux, des trucs comme ça. Ça pourrait aussi faire penser un peu à la toque du pâtissier. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais j'ai rien, j'ai pas de carte en même temps. Là, on a un monsieur avec un chapeau, du coup, ça pourrait faire la référence au monsieur avec le chapeau. Je sais, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais en même temps, on n'a pas grand-chose d'autre. Ici, là, sur la photo, regardez, il y a une espèce de machine. Vous voyez, là, on a une espèce de machine. Donc du coup, on va lui mettre celle-ci. Peut-être que celle-ci pourrait être intéressante parce que, regardez, ici, on a les bras de la machine. Et fait exprès, ici, on a une machine qui a des bras. Donc peut-être que ça pourrait le mettre sur la piste. En plus, regardez, sur les autres photos, on a des fenêtres sur les bâtiments. Et fait exprès, là, vous voyez, on a des fenêtres aussi sur les usines. Qui pourraient être, pourquoi pas, une chocolaterie, hein. C'est peut-être Charlie la chocolaterie. Donc on va lui donner celle-là aussi. Ok, du coup on a donné tout à nos personnages. Là maintenant ils vont délibérer pour enfin, se positionner sur leur personnage. Et on en a deux qui n'ont pas trouvé. Finesse. Ok. Bien, aider les médiums à deviner le lieu. Oui, bah alors déjà Alphonse et Esmeralda, comme ils n'ont pas deviné leurs suspects, du coup, eux, ils restent sur les suspects. Il n'y a que Conrad qui lui a trouvé son personnage, donc du coup, lui, il peut trouver le lieu maintenant. Alors, bon, alors ici, on a des oiseaux. Là et là. Ça tombe bien, ici on a des oiseaux. En plus on a le rouge, ici là, qui fait penser au rouge là. Et ça fait un peu, on est en extérieur avec cette carte, donc je vais les mettre cette carte là. Et j'ai bien envie de mettre celle-ci aussi. Pourquoi? Parce que, regardez ici, on a des espèces de fleurs, des rosiers qui sont tout pourris. Puis on a les arabesques là. Et du coup, ici, vous voyez les racines, ça me fait penser justement aux rosiers et aux arabesques. Donc on va lui mettre aussi celle-ci. Et en plus, c'est en extérieur. Hein, la maison, elle est comme ça un petit peu en extérieur. Là, on est un peu en extérieur. Donc je pense que par logique, il devrait pouvoir trouver. Alors, pour notre ami le pâtissier, donc Alphonse qui lui a le pâtissier, c'est cool parce que je n'ai pas eu de nouvelles cartes en lien avec de la nourriture. Ça va être donc fort pratique. Esmeralda, c'était quoi? Ah oui, Esmeralda, c'était le docteur. Alors, vous voyez là, je viens de voir un détail sur cette carte. Regardez là, ce personnage qui est sur les échasses, il porte un masque de la peste. Et du coup, le masque de la peste, c'était vraiment propre aux médecins. Mais on a des scorpions aussi qui pourraient faire penser au venin. Là, on a des fils qui pourraient faire penser aux fils de suture. Plus le masque de la peste. Moi, ça me paraît très logique. Maintenant, est-ce que ça va lui paraître logique aussi? Ça, c'est moins sûr. Donc, on va lui donner ça. Pour Alphonse, pâtissier. Ah! Alors, ce qui est intéressant, regardez la nouvelle carte qu'on a eue. On a la Tour Eiffel, on a Paris, on a des petites abeilles, des drapeaux. Il y a des fils aussi sur la Tour Eiffel. Ah non, c'est pas sur la Tour Eiffel, c'est des drapeaux, pardon. Paris étant quand même la capitale de la France, qui est elle-même la capitale mondiale de la gastronomie. Par logique, du coup, vous voyez, Paris, la cuisine, hein, ça pourrait sembler assez logique quand même. Ok, allez, on va lui donner ça et il va se débrouiller avec ça. S'il ne trouve pas avec ça, c'est qu'ils sont vraiment nuls, quoi. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Ok. Vous la sentez venir la galère là, hein? Moi je la sens bien venir la galère là. Il n'y a pas de problème. Bien. Alors Conrad, faut que je lui fasse deviner un pistolet. Très bien. Le pistolet. Regardez la carte que j'avais gardée. Nickel le pistolet. Allez hop. Tac. Voyez l'utilité de garder des bonnes cartes, enfin des cartes, parce que ça peut vous sauver la vie pour la suite. Alors, monsieur Alphonse, c'est le pâtissier. Eh, je veux pas dire cette carte. Alors, regardez un petit peu. On a des échelles, on a des bateaux. On dirait qu'on a une espèce de carrefour fluvial. Mais n'empêche que moi, je vois un œuf au plat ici. Donc œuf au plat égale pâtissier, ça me paraît logique là aussi, hein. Donc il va se contenter de ça et puis ça ira très bien. Et s'il ne trouve pas, bah, c'est qu'il est, minable et puis voilà. Bon, elle, le médecin. Le médecin, on a eu cette nouvelle carte qui pourrait être intéressante puisque regardez ici, on a une tête de mort. On a des rats, ça fait très poison, ça fait très, hein, ça fait très malsain. Donc je pense qu'elle, on peut lui donner ça pour le médecin. Et pareil, si elle trouve pas, eh ben t'es nul, change de métier, t'es pas fait pour être médium, voilà. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, quoi, ils sont chiants les médiums aussi. Ça se dit médium, tu leur donnes une vision, ils sont pas capables de la décrypter. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Ok, ils ont trouvé, ah bah quand même. Ah, c'était quand même pourtant clair. Alors, bah oui, du coup, Conrad... Ah oui, Conrad, il a trouvé le pistolet. Bon, en même temps, c'était facile, hein, la cible, quand même. Bon, alors, Alphonse, parce que alors, Alphonse et Esmeralda, ils m'ont pas l'air... ils m'ont pas l'air des furieux du bulbe, hein, donc on va essayer de trouver des trucs encore plus précis. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon peignoir. Il y a un truc qui me caressait le pied depuis tout à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Sachant que j'ai la porte fermée pour éviter justement que j'ai les mimines dans les pattes. Je me disais, qu'est-ce que c'est qui te caresse le pied? Alors, Donc Alphonse, il a eu la crypte. Ah, celle-là pourrait être intéressante. Regardez, ici on a un portail, un grillage. Ici, fait exprès, on a un portail, on a un grillage. On a une petite lumière là, on a une petite lumière là. Ça pourrait coller, ça. Hein. On a un peu des murs en pierre, comme ça. Là, justement, on a des murs en pierre. On peut voir quelque chose qui pend, là, sur la chaîne. Peut-être une lanterne. Et fait exprès, on a une lanterne ici. Donc ça, ça me paraît pas mal, ça. On va lui donner ça. Pour Madame Esmeralda. Ok, Esmeralda, elle est dans la réserve de bouffe. Ah. Cette carte pourrait être pas mal. Regardez, il y a une porte ici entrouverte. Et là, on a une porte entrouverte. Du coup, ça pourrait être pas mal. Et s'ils trouvent pas avec ça, c'est... Mais c'est qu'ils sont nuls, quoi. Il faut qu'ils fassent autre chose. Bah, Alphonse n'a pas trouvé. Pourtant, on lui a mis un indice qui était... Ah ouais, non, attends, il charrie, on lui a mis un bon indice. On lui a mis... Ça, là. Ah, vous m'excusez quand même. Regardez, ici, on a l'arche. Là, on a l'arche. Ici, justement, on a l'arche. Là, on a le portail. Ici, on a le portail. On a cette chose qui pend. On a la lanterne ici qui pend. On a la lumière là. On a la référence de la lumière là. On a des escaliers ici. On a des escaliers là. On a de la pierre, enfin des murs en pierre. On a des murs en pierre. Franchement, pas trouver ça. Non, là, je suis pas d'accord parce que c'était quand même facile. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me semblait facile. Eh ben... Bah, on pourrait mettre celle-là, au pire. Bon, alors celle-ci, on pourrait mettre celle-ci, parce que regardez, il y a la porte là, on a la porte là. On est un peu dans les mêmes couleurs. Donc, on va mettre ça. Et à la rigueur, ici, on pourrait utiliser le chevalier noir là pour représenter un peu cet ange noir, enfin cette statue. Et puis, il y a la tour qui peut faire penser au côté ancien, comme la crypte fait penser au côté ancien. Alors, on va partir sur ça. Oh, franchement, si je trouve pas avec ça, fais autre chose, quoi. Hein. Esmeralda. Ah oui, Esmeralda, elle est passée aux objets. Alors, elle a un tabouret. Un tabouret, vous savez quoi? J'ai bien envie de lui donner le truc, ça, là, la piste du cirque avec les coussins et le lit. Parce qu'il y a une référence, du coup, de s'asseoir. Et puis, regardez, ici, on a des tabourets. Alors, c'est pour les éléphants, pour les faire monter. Mais ça me parle bien pour le tabouret. On va lui donner ça. Vous croyez qu'ils m'ont trouvé? Oh, mais c'est une blague, Alphonse, il a toujours pas trouvé. Pourtant, là, les indices que je lui ai donnés, ils sont super clairs. Non, là, il met de la mauvaise volonté, hein. Allez, regarde, il y a la crypte, là, je vais te donner celle-ci. Pardon, je voulais même pas montrer, du coup. Regardez, il y a les flambeaux, là, il y a la statue, là, et les... c'est bon, quoi. Oh, faut arrêter. Rien qu'avec la première carte. Dites-moi en commentaire si vous auriez trouvé avec la première carte. Soyez honnête, hein. Mettez-moi en commentaire si juste avec la première carte vous auriez trouvé ou pas. Non, pour savoir si c'est moi qui suis nul en tant que fantôme ou si c'est le médium qui est nul. Bon, là il a intérêt à trouver du premier coup parce que c'est la dernière heure, hein. C'est l'heure finale. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas là, la partie c'est game over. Alors lui, il faut qu'il trouve une corde. Bah écoutez, ça tombe très bien. Regardez ce qu'on a. On a une échelle de corde. Donc franchement, s'il ne trouve pas avec ça, va te coucher. Pitié, 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 faites qu'il trouve. Merci, merci. Ok, bon, attendez, parce que c'est pas fini maintenant. Là, on passe sur la résolution finale. Donc confrontation des succès, ok. Donc ceci est la combinaison correspondant au meurtre. Aidez les médiums à le deviner en glissant les visions qui correspondent sur la carte appropriée. D'accord. Et alors franchement, vu les cartes de merde que je me tape, eh ben je sais pas comment on va faire. On a cette carte qui est sympa. Regardez ici, on a des hommes en costume, justement, avec des chapeaux et des fusils. Donc on a l'aspect militaire qui pourrait être très sympa, soit pour le policier, soit pour l'arme à feu. Les deux sont sympas, hein. Les deux pourraient faire. Est-ce que... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un trésor. Ok. J'ai une boîte à musique. Boîte à musique, on a un soldat hein, nouveau dans la boîte à musique. Ah! Regardez ici, on a un corbeau et là, justement, on a des corbeaux. Ok, donc celle-ci, je pense qu'on peut la glisser là sans problème. J'ai bien envie de mettre les militaires là quand même pour le policier. Hein. Et du coup, peut-être pour le pistolet parce que j'ai pas grand-chose qui puisse correspondre. Parce que là on a bien ce soldat là qui a son fusil et du coup qui pourrait être la référence au pistolet. Mais est-ce qu'ils vont trouver hein, parce qu'on a un peu Alphonse et Esmeralda qui sont un peu mous du bulbe. Donc je pense qu'ils vont pas forcément trouver, ils verront pas en fait le détail. On se dira oh, tu vois, ouais. Parce que là quand même on a la présence de beaucoup de métal. Ici le pistolet c'est du métal. Voyez, j'ai bien envie de mettre quand même le trésor. Surtout que on peut avoir l'image de quelqu'un qui essaie de braquer une banque. Voyez, le fait de tuer pour de l'or, le pistolet. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est moi qui pars trop loin dans mes réflexions ou bon les amis, on prend le risque de poster ça. J'espère qu'ils vont trouver, franchement, les corbeaux, les militaires, juste les deux premières cartes, quoi. Corbeaux militaires. Oui, ils ont trouvé! Ils ont trouvé! Victoire! Ils ont trouvé! Mais oui, mais c'était obligé qu'ils trouvent quand même. C'était assez simple, entre les corbeaux et les soldats, on aurait pu se passer du trésor sans problème quand même. Bien! Lorsque Madame Salvador m'a ramené dans le monde des vivants, je n'avais aucun souvenir. C'est Monsieur McDowell qui m'a raconté ce qui s'est passé. Monsieur Marple, l'inspecteur de police qui m'avait secouru après mon agression, s'est révélé être le coupable. Il a tiré 3 fois sur le pauvre marin finlandais. À nouveau, l'auteur des faits ne se souvenait de rien, tout comme moi après cette séance de spiritisme. Je ne me souviens que de sensations fugaces, le froid, la peur. J'espère que je n'aurai jamais à revivre cette expérience. Voilà donc mes chers amis pour cette première vidéo. Et oui, vous comptiez quand même pas à ce que je vous fasse tout d'un coup. On va pas y passer non plus la nuit. Regardez, il nous reste encore plein de choses à faire. On a donc le 4e dossier. Et on a, regardez, on a quand même pas mal à faire. Donc rassurez-vous les amis, il y aura encore d'autres vidéos. Et puis Mysterium ne sera pas le dernier de la série puisque je vous en ai prévu d'autres, comme je l'ai dit. On va faire des enquêtes de chasse aux fantômes. Ça, je pense que vous allez adorer. Phasmophobia, vous allez vraiment adorer. C'est un super jeu. Je vous dis rien, mais je pense que vous allez aimer. Il y aura du Song of Horror aussi, où là, on va faire, on va résoudre des puzzles, des casse-têtes, des énigmes, etc. Le tout dans une ambiance un peu cradouille avec une entité qui fait un petit peu peur et je vous ferai découvrir tout ça et puis il y en aura d'autres également. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aide à référencer les vidéos et puis ça m'aide aussi en tant que youtubeur. Donc vraiment n'hésitez pas. Pareil, si la chaîne, si le contenu, tout ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous activez la petite cloche de notification pour ne rien louper de tout ce que je fais. Et puis voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne de l'œil dans le noir.